Bonsoir, ma chère Hélène. Bonsoir. Je vous dérange? Vous auriez pu téléphoner? Il y a 3 minutes, je savais pas encore que je monterais vous voir. Je me suis décidé brusquement. Bon, ben, entrez. Merci. Alors, quoi de neuf? À vrai dire, je ne le sais pas encore. Ça va dépendre de vous. Ah! Oui. Eh bien, asseyez-vous, je vous écoute. Oh! Pas comme ça, voyons, soyez un peu hospitalière. Un scotch? Non. Cognac, plutôt, je sors de table. Tenez, voilà. Merci. Encore une allumette pour mon cigare et ce sera parfait. Ah, c'est égal. Je dis souvent que je ne tiens pas à la vie, mais il faut avouer qu'il y a tout de même de bons moments. Venant de vous, ça n'est pas très rassurant. Vous n'êtes heureux que lorsque vous mijotez du mal. Oh, du mal. Je n'ai encore jamais tué personne, moi, ma chère. Non, vous préférez voir souffrir, je sais. Seulement si vous avez l'intention... Allons, ne vous emballez pas déjà. Je suis venu vous voir en ami. Et peut-être même davantage. Oui, eh bien, c'est bien ce que je disais, ça n'est pas rassurant. Qui la faute, empoisonner son mari et garder la conscience tranquille, ce serait vraiment trop beau. Écoutez-moi bien, Voiron. Il y a plus d'un an que vous me tenez, que vous me torturez. Seulement c'est fini, j'en ai assez. Alors dénoncez-moi ou réclamez le prix de votre silence, mais décidez-vous. Alors, c'est chose faite, ma chère, je suis précisément venu vous réclamer le prix de mon silence, comme vous dites. C'est parfait, je vous écoute. Combien? Oh, le vilain mot, ne soyez pas si brutal, voyons. Écoutez, je veux en finir, je viens de vous le dire. Alors prenez un revolver et suicidez-vous, c'est le seul moyen d'en finir vraiment avec un assassinat. C'est avec vous que je veux plus avoir affaire, un point c'est tout. Dans ce cas, je crains fort de vous décevoir. Hé, j'ai décidé de vous épouser. Pardon? Oui, vous avez bien entendu, de vous épouser. Mes affaires marchent mal, vous le savez, je suis au bord de la faillite. Je pourrais bien sûr vous demander de quoi me renflouer, mais... Je n'aime pas cette idée. Propriétaire d'une entreprise honnête, je tiens à ce qu'elle le demeure. Si vous n'étiez pas sinistre, vous seriez drôle. Réfléchissez 2 secondes, voulez-vous? Si je profitais vulgairement de mon avantage pour vous faire chanter, mon usine tournerait avec de l'argent malhonnête. Alors si je vous épouse par contre, c'est très différent. Je vous donne mon nom, je vous ouvre ma maison, et en échange, vous m'apportez les capitaux dont j'ai besoin. Rien que de très naturel. Non, écoutez, assez plaisanté, je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je viens de vous le dire, votre main. Vraiment? Je sais bien que vous êtes un peu fou, mais enfin tout de même. Allons, ne vous faites pas injure. Vous êtes très belle, intelligente et vous êtes riche. Si c'est être fou que désirer tout cela, alors oui, je suis fou. Enfin, ce qui est insensé, c'est de croire un instant que je pourrais consentir à un pareil marché. Vraiment? Eh bien, nous serons dans 20 jours qui de nous deux a raison. Car je vous donne 8 jours, ma chère, pour réfléchir et pour vous décider. Passé ce délai, nous annoncerons nos fiançailles. Ou alors, je serai au regret d'avoir à faire le nécessaire pour que l'on exhume votre pauvre cher époux. Pour que l'on détermine avec un peu plus de précision de quoi il a bien pu mourir. Bonsoir, ma chère Hélène. Jean-Pierre. Bonjour. Ça n'a pas l'air d'aller ce matin. T'as mal dormi? Ton mari n'est pas là? Il est dans le jardin, je crois. Tu veux que je l'appelle? Non, pas la peine. Alors Henriette, ce café. Voilà, monsieur. Faut le temps quand même. Si je le fais passer trop vite, vous direz encore que je sais pas le faire. Oh, écoutez, ne discutez pas tant et servez-moi. Faut que je sois à l'usine dans 10 minutes. T'as des ennuis? Non, un client. C'est pas le moment de le laisser passer. Ça va vraiment si mal que ça? Ça va d'autant plus mal que les affaires vont mieux. Je passe mon temps à refuser des commandes trop importantes pour l'usine. Et si tu acceptais la proposition de Durieux? En t'associant avec lui, Ne me fatigue pas avec cette histoire, tu veux? Je tiens à rester maître chez moi. C'est pas la peine de t'emballer. Mais je m'emballe parce que tu m'énerves. Tu sais que répéter les litanies de ton mari. Il n'est plus facile de conseiller les autres que de se débrouiller soi-même. Oui, bien sûr, pardonne-moi.
Bonjour. Je voudrais pas vous bousculer, mais je vous signale que nous ne sommes pas en avance. Je ne suis pas en avance. J'aurais pas besoin de vous ce matin, vous pouvez rester là. Mais comment rester là? Mais j'ai du travail, moi. Ben, il attendra, je tiens à voir Truffaut tout seul. Si vous êtes là, vous allez encore discuter à n'en plus finir. Ben, je peux tout de même dire. Ben, c'est pas la peine d'insister, j'ai dit non. Vous avez sorti de la voiture? Oui. Mais faites attention, il n'y a plus beaucoup d'essence. Je t'en serais d'y penser. À tout à l'heure. Alors, j'oubliais. Oui. Hélène Marvy vient dîner ce soir. Prévenez Henriette. Entendez, je lui dirai. Oui. Bon Dieu. Si j'étais pas ton frère, la situation où nous sommes, je te jure que je lui dirais ma façon de penser. Quel mufle! Ah oui, c'est j'avoue qu'il s'arrange pas. Écoute, patiente encore un peu, je t'en prie. Si on veut trouver un appartement, il faut absolument que nous mettions de l'argent de côté. Un appartement, hein? Avec ce qu'il me paye, il nous faudra 10 ans. Nous finirons bien par trouver quelque chose de pas trop cher. Tu vois, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit dans Paris et puis que je puisse travailler un peu. Ah, mais il n'en est pas question. C'est pas pour travailler que les médecins t'ont ordonné de quitter le Brésil. Mais écoute, il y a bientôt 1 an que nous sommes là et je ne fais que me reposer, mon chéri. Je vais déjà beaucoup mieux, tu sais. Mais il ne suffit pas que tu ailles mieux. Je veux que tu guérisses complètement et pouvoir t'assurer une vie confortable. Ne sois pas impatient, voyons, ça viendra. Après tout, si nous acceptons le caractère de Pierre, on n'est pas malheureux ici. Mais ne pas être malheureux, ça ne suffit pas non plus. Mais quant à faire abstraction des caractères de ton frère, hein? Et dire que cet animal va se remarier. Mais c'est pas ce qu'il attend, madame Hélène Marvy. Oui, ça. Ça, je suis comme toi, je comprends pas. Elle a même pas l'air d'être amoureuse. Amoureuse, elle? Elle dit plutôt qu'elle le déteste, oui. Mais écoute, c'est impossible, voyons. Elle est indépendante, elle est riche. S'il ne l'aimait pas, pourquoi l'épouserait-elle? Mais est-ce que je sais? Après tout, elle est peut-être aussi tordue que lui. Ben, en tout cas, puisque nous en parlons, tâche de faire un effort ce soir. La dernière fois, tu sais, t'as pas été très, très, très aimable. Ben, hein? C'est plus fort que moi, cette bonne femme me déplaît. Elle a du charme pourtant. Ouais, oui, oui, peut-être. Mais les panthères aussi ont du charme. Passez-moi votre verre, ma chère. Oh non, 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 je vous en prie, je suis déjà grise. Ou alors il faudra vous dévouer pour me ramener à Paris. Je n'aime pas conduire la nuit, mais Marc se fera certainement un plaisir. Il adore ça. Ah, est-ce vrai, Marc? Non, à vrai dire, ça m'a bien passé. Ah bon, le voyage ne vous tente guère, si je comprends bien. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, je vous raccompagnerai volontiers. Ah, vous êtes un amour. Alors dans ce cas, j'accepte encore un verre. Si vous permettez, je vais vous laisser, je me sens un peu lasse. Je préfère monter. Mais oui, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Hélène. À bientôt, je pense. C'est ça, à bientôt. À tout à l'heure, mon chéri. Mais disons plutôt à demain, je tâcherai de ne pas te réveiller. Merci. Bonsoir. Décidément, elle n'est pas très vaillante, hein. Elle se repose pourtant. Physiquement, oui, mais il n'y a pas que ça. Ah oui. C'est triste à dire parce que c'est ma sœur, mais quand on n'a pas de santé... Bon, si nous parlions d'autre chose, hein, je ne pense pas que la santé de ma femme intéresse particulièrement Madame Marvy. Oh, Madame Marvy, écoutez, franchement, je croyais vous avoir demandé de m'appeler Hélène. Monsieur est un sauvage, vous ne l'apprivoiserez pas en si peu de temps. Allez, donnez-moi votre verre. Non, non, merci, j'ai assez bu. Bon, décidément, vous n'êtes pas drôle. Il n'y a pas que vous qui ayez des ennuis. Et Pierre n'a pas tort, vous savez. Il faut savoir oublier de temps à autre. Les choses finissent toujours par s'arranger, d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Ne serait-ce qu'en arrivant au bout de cette chienne de vie. Cette fois, c'est vous qui n'êtes pas drôle. Bon, un peu plus tôt, un peu plus tard, quand le passif l'emporte sur l'actif, on devrait devancer l'appel. Un bon revolver, une balle dans le cœur. Et puis bonsoir. C'est plus vite dit que fait. Erreur, mon cher, ça ne prend qu'une fraction de seconde. Le tout est de se décider. Ainsi, tenez-moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai failli en venir là. Ouais. Et puis finalement, non, j'ai préféré me marier. Dommage. Vous dites, ma chère. Je dis qu'il se fait tard et que je vais rentrer. Vous me raccompagnez toujours, Marc? Oui, oui, bien sûr. Parfait. Pour la peine, je vous ferai visiter mon appartement. Vous verrez, c'est charmant, venez. Alors, mon cher, comment trouvez-vous cela? C'est un très bel appartement. Asseyez-vous, je vais chercher de la glace. Non, 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 pas pour moi, je vous remercie.
Si vous le permettez, je vais appeler un taxi. Ah, mais non, je ne permets pas. Je meurs de soif et j'ai horreur de boire seule. Non, asseyez-vous donc. Bien. Marc ? Oui ? Il y a des cigarettes anglaises à côté de vous sur la petite table. Allumez-moi une, voulez-vous ? Oui. Marc, vous m'entendez ? Oui, oui, j'ai entendu. Et puis sortez des verres et la bouteille de scotch. Le bar est derrière le canapé. Eh bien. Voilà. J'ai de très jolis seaux à glace, mais ça va plus vite comme ça. Eh bien, ma cigarette. Ah, tenez. Merci. Je croyais vous avoir demandé de me l'allumer. Ah. Mais peut-être n'aimez-vous pas le tabac blanc ? Oh, pas beaucoup, en effet. Merci. Un peu d'eau ? S'il vous plaît, oui. Merci. À quoi buvons-nous ? Eh bien, mais... à votre mariage, cela me paraît tout indiqué. Oh, allons, allons. Ne soyez pas méchant. Vous savez très bien qu'il ne s'agit pas d'un mariage d'amour. C'est un mariage de quoi, alors ? Je vous dirai ça un autre jour, si vous êtes bien sage, hein ? Parlons plutôt de vous. Quel âge avez-vous exactement ? 38, 40 ? Bientôt 40, oui. On dit que c'est le plus bel âge pour un homme. C'est vrai ? Je ne sais pas. Pour moi, ce serait plutôt l'âge des difficultés. Ah, c'est vrai. Vous avez des ennuis, j'oubliais. Se retrouver sans argent à 40 ans, ça ne doit pas être drôle. Pas très, non. Mais comment se fait-il ? Que s'est-il passé ? Oh, rien que de très banal. Si vous le permettez, je... Non, non, je vous en prie, non, racontez-moi. Que vous est-il arrivé au Brésil ? Eh bien, Pierre a dû vous le dire. Je me suis laissé avoir. J'ai cru acheter une exploitation en Seine et en 2 ans, je me suis retrouvé sur la paille. Alors, tout ce que j'avais gagné en 12 ans y est passé. Et maintenant ? Oh, eh bien, maintenant, il faut que je me débrouille. C'est pas facile. À mon âge, repartir à zéro, c'est pas une petite affaire. Ah, votre âge. On croirait entendre un vieillard. Non, dans un sens, je ne vaut guère mieux, croyez-moi. S'il n'y avait pas ma femme... Je ne sais pas ce que je ferais. Et si je vous aidais ? Et vous ? Et pourquoi pas, j'en ai les moyens. Et Pierre ? Quoi, Pierre ? Puisque vous avez des moyens, pourquoi ne l'aidez-vous pas ? Il est dans l'embarras, lui aussi. Oui, nous verrons cela lorsque nous serons mariés. Si nous nous marions. Mais pour l'instant, je pense à vous. Et vous me plaisez beaucoup, Marc, vous savez. J'aimerais vous aider. C'est très aimable à vous, mais... Mais ? Non, rien. Pourquoi êtes-vous si renfermé, si distant ? Je vous déplais tant que ça ? Mais non, non, bien sûr. Vous êtes très belle et probablement très désirable. Pourquoi probablement ? Parce que je suis mauvais juge. Je n'ai jamais désiré une autre femme que la mienne. Ah. Je l'aime. Et je n'ai aucune envie de la tromper. Eh bien, mais voilà qui est charmant. Mais pourquoi cet air agressif ? Personne ne vous demande de la tromper. Non, je ne suis pas agressif, je suis fatigué. Pardonnez-moi. Non, si vous le permettez, je vais appeler un taxi. Mais ne vous donnez pas cette peine, je vais le faire pour vous. Vous me paraissez effectivement très fatigué. Décidément, mon pauvre Marc, vous n'en ferez jamais d'autre. J'ignore exactement ce qui s'est passé l'autre soir, mais le résultat est là. Hélène, qui vous trouvait très sympathique il y a 2 jours, ne veut plus entendre parler de vous. Êtes-vous bien sûr d'ignorer ce qui s'est passé ? Oui. Oh, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le deviner. Hélène est une femme, elle avait bu un scotch de trop, elle a dû vous faire un peu de charme. Que vous n'ayez pas profité de la situation, je suis le premier à m'en féliciter. Mais... vous auriez pu vous arranger pour ne pas la vexer. Il y a la manière, que diable. Je lui ai dit que j'aimais ma femme. Ouais, ça doit être de la dernière grossièreté, vous avez raison. Enfin, peu importe les détails, la question n'est pas là. Le résultat de tout cela, c'est que vous n'allez pas pouvoir demeurer ici. Vous dites ? Ben, que voulez-vous, Hélène et moi, nous allons nous marier, elle va s'installer ici, je ne peux tout de même pas lui imposer une compagnie dont elle ne veut pas.
Sans compter que cette maison n'est pas déjà tellement grande. Mais je vois. Mais je m'étais un peu étonné que vous me laissiez le soin de raccompagner votre fiancée. Et je commence à comprendre. Vous êtes décidément un fin psychologue. Alors, qu'est-ce que vous allez encore imaginer? Je suis sincèrement navré de ce qui arrive. Vous comprenez bien... Non, je comprends parfaitement. Je n'ai pas l'intention de m'incruster, rassurez-vous. Dites-moi simplement de combien de temps je dispose pour me retourner. Maintenant que nous sommes décidés, le plus tôt sera le mieux. Enfin, oui, il y a les préparatifs, les formalités, évidemment. Disons que si vous pouviez trouver un emploi d'ici 2 mois, 3 au plus tard, ce serait parfait. Ah bon? Non, parce qu'il ne s'agit pas seulement de logement. Vous ne tenez pas non plus à me garder à l'usine. Ah, mettez-vous à ma place, mon vieux, c'est très embarrassant. Si vous restez... Oui, très bien, j'ai compris. Et soyez sans crainte, avec ou sans emploi, je serai bientôt parti. Je n'ai encore jamais demandé la charité à personne. Ce n'est certainement pas avec vous que je commencerai. Oh, mon Dieu, pourquoi vous emballez? Je ne suis pas un ogre. Je tâcherai de vous aider. Et de toute façon, si vous ne trouviez pas tout de suite... On pourra toujours s'arranger. Hélène ne s'opposera certainement pas à ce que votre femme demeure encore un peu avec nous. Elle. Est-ce que le facteur est déjà passé, Henriette? Oui, mais il n'y avait rien. Juste le journal de monsieur. Ah bon? Quoi, tu attends quelque chose? Une lettre. Ben ça, c'est original, alors j'y aurais pas pensé. J'attends une lettre du Canada. Alors, s'il est favorable, je t'en parlerai. Favorable à quoi? Non, écoute, mon chéri, pose pas de questions. Pas maintenant. Enfin, j'ai bien le droit de savoir ce qui t'inquiète tout de même. Depuis quelque temps, tu es soucieux, tu es renfermé. C'est à peine si tu desserres les dents. Écoute, j'attends la réponse à une offre de service que j'ai faite, là. Tu es contente? Hein? Une offre de service? Tu as fait une offre de service au Canada? Oui, il y a une réponse à une annonce. Oh, bah alors ça, c'est inouï. Tu songes à t'expatrier, tu postules un emploi, tu m'en parles même pas. Je ne t'ai rien dit parce que je n'ai pratiquement aucune chance d'obtenir ce poste. On exige des diplômes que je n'ai pas. Bah pourquoi tu as écrit alors? Parce qu'il s'agit des bois et que j'ai la prétention de m'y connaître. Après tout 15 ans de pratique en forêt équatoriale, ça vaut bien un parchemin, non? Bien sûr, oui, mais enfin, pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Mais pour te faire la surprise, en cas de réponse positive. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit pas encore pour cette fois. Marc, tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Et que veux-tu qu'il y ait? Je sais pas, mon chéri. Tu es si sombre. Oh, puis il n'y a pas le feu, après tout. Pas le feu. Maintenant que ton frère se marie, nous n'allons pas pouvoir rester ici. Il t'en a parlé? Non, pas du tout, mais... Enfin, il faudra bien que nous lui laissions sa maison. Qui sait seulement s'il l'épousera, son Hélène. Il parle de se marier comme d'aller se ficher à l'eau. Mais il se mariera, crois-moi. Monsieur! Hein? Monsieur! Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, monsieur, c'est terrible. Oh, madame! Mais enfin, parlez, voyons que se passe-t-il. Mais c'est monsieur. Hein? Je crois bien qu'il est mort. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh, je n'ai pas osé entrer, mais... Non, chérie, je t'en prie, reste là. Venez, Henriette. J'allais pour lui porter son petit déjeuner. Oui. J'ai trouvé la chambre vide et le lit même pas défait. Je suis passée dans son bureau et... Oh, c'est affreux, monsieur. Il y a un pistolet à côté de lui. Tenez, regardez. Non, restez où vous êtes. Mieux vaut ne toucher à rien. Dites, il est mort, n'est-ce pas? Mais depuis pas mal de temps, oui. Oh, mon Dieu, bon monsieur. Mais vous n'avez rien entendu? Mais quand? Ben, je ne sais pas, cette nuit, je suppose. Non, rien du tout. Marc, mon chéri. Non, je t'en prie, n'entre pas. Il n'y a plus rien à faire. Oh, il a laissé un mot sur son bureau. Pardonnez-moi, c'est encore le plus simple. Pourquoi, Marc? Pourquoi? Mais viens, va, ne reste pas là. Et apportez-nous de l'alcool, Henriette. De l'alcool? Oui, du cognac, du rhum, ce que vous voudrez. Ah bon? Bien. Assieds-toi, mon chéri. Bon. Oh, Marc, c'est terrible. Oui, mon chéri, oui. Mais pourquoi s'en aller comme ça, sans
même essayé de lutter jusqu'au bout. D'un moment de dépression, sans doute. Les livres comptables sont à côté de lui, sur le bureau. Mais enfin, mais puisque son mariage devait tout arranger... Oui, oui, bien sûr, je sais, mais... Il avait du mal à accepter. Tu l'as remarqué toi-même tout à l'heure. Ah, c'est vrai, oui. Ah, tiens, merci. Tiens, mon chéri. Bois ça. D'un seul coup. Là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Il faut prévenir la police. Oui, non? Oui, oui, un instant. Laissez-moi réfléchir. Mon pauvre Pierre. Je suis montée sans même le saluer hier soir. Ah, bon Dieu, pour lui, c'était peut-être le plus simple, mais il nous laisse dans un joli pétrin. Et si on appelait le commissaire Dubois, monsieur? Il connaît un peu la maison, ce serait peut-être le plus simple. Oh, quant à cela, Dubois ou un autre, ça, c'est un peu plus simple. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Qu'est-ce qui te préoccupe, alors? Ben, les conséquences. Toi, tu penses à ton frère, c'est normal, mais... Je viens d'avoir une idée insensée. Une idée insensée, mais qui arrangerait tout. Bien dit. Tu risques fort de trouver ça choquant, je te préviens. Et en rien encore plus. Mais de quoi parlez-vous donc, monsieur? Ah, écoutez, asseyez-vous, je vais vous le dire. Mais sachez d'abord quelle est exactement la situation. D'ici quelques semaines, à moins d'un miracle, l'usine sera fermée. Cette maison vendue, et nous nous retrouverons tous dans la rue. Hein, qu'en pensez-vous? Mais ma foi, monsieur, c'est terrible, évidemment, mais... Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Mais moi, si, j'ai une idée. Elle va sans doute vous faire bondir, mais plus j'y pense et plus je me dis que c'est la seule solution. Bien dit. Ah, voilà. Il y a quelques années, avant qu'il ne soit veuf, ton frère avait contracté une assez grosse assurance sur la vie. Une trentaine de millions d'anciens francs, je crois. Oui, je sais. Et alors? Mais alors, il ne l'a jamais résilié. Normalement, ces 30 millions auraient dû venir grossir la succession. Oui, mais... Oui, eh bien, bien sûr. Et c'est pourquoi j'emploie le conditionnel. En cas de suicide, l'assurance ne joue pas. Et c'est quoi ton idée? Tu ne doutes même pas l'intention de... Mais si, justement. Enfin, mon chéri, mais... Mais tu parles pas sérieusement. Mais qu'en pensez-vous, Henriette? Mais je vous demande pardon, monsieur, mais je ne comprends rien du tout. Non, mais c'est assez simple. Vous avez déjà entendu parler de gens qui camouflent un crime en suicide, je suppose. Oui, bien sûr. Eh bien, pour nous, ce sera exactement le contraire. Mais tu es fou, Marc. Mais tu es complètement fou. Non, laisse-moi parler, je t'en prie, hein. C'est notre seule chance, et nous n'avons pas beaucoup de temps. Non, comprenez-moi bien, Henriette. Il ne s'agit pas de commettre un délit, hein, mais seulement de mentir concernant les circonstances de cette mort. Alors, si nous parvenons à effacer ce suicide, l'assurance paiera et tout sera sauvé. Mais tu n'y arriveras jamais, voyons, c'est impossible. Mais je trouve que ça vaut la peine d'essayer. Mais, de toute façon, nous ne risquons pas grand-chose. Ah, tu crois ça? Non, mais réfléchis deux secondes. Le pire qui puisse arriver, c'est que la vérité soit découverte. Et que l'assurance ne paie pas. Mais dans ce cas, nous nous retrouverons au même point qu'aujourd'hui. Nous n'aurons à répondre que d'un mensonge. Que je prendrai sur moi, d'ailleurs. Mais la question n'est pas là. Enfin, tu ne te rends pas compte? Non, un instant, hein. Non, qu'en pensez-vous, Henriette? Ma foi, je ne sais pas, monsieur. Je comprends pas très bien. Si on ne dit pas que monsieur s'est suicidé, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont croire qu'on l'a assassiné. Eh bien, mais c'est exactement à quoi il faudrait arriver, oui. Mais c'est insensé, enfin tu perds la tête. En admettant même que tu parviennes à tromper la police, et je me demande bien comment tu t'y prendras. Mais nous serons les premiers soupçonnés. Mais non, non, je m'arrangerai pour que l'on croie à un crime de rôdeur. Moi je suis de l'avis de madame, je trouve ça bien risqué. Mais il n'y a qu'un seul risque, c'est moi qui le prends. Celui d'être condamné pour avoir tenté d'égarer la justice. En regard de tout ce que nous pouvons sauver, si nous réussissons, je trouve que ça en vaut la peine. Hein? Alors? Moi, je dis que ce serait de la démence. Et d'ailleurs, comment ferais-tu? Ben ça, j'ai pas encore eu le temps de penser aux détails, mais j'en fais mon affaire. Non, tout ce que je vous demande, c'est votre accord. Alors, Henriette? Ben, je sais pas trop que vous dire, monsieur. Madame m'a pas l'air de l'être tellement, d'accord? Bon, mon chéri, écoute-moi, hein? Oui. Nous devons nous décider rapidement, mais je ne veux pas te forcer. Cette supercherie, pour moi, c'est un moyen de garder cette maison, de rester là et de travailler. Alors, si tu préfères renoncer, repartir à zéro, j'insiste pas. J'ai peur, Marc. Si j'étais sûr que ça réussisse, moi... Non, quant à cela, fais-moi confiance, hein? Oui. Nous réussirons. Oui, mon chéri. À condition que vous soyez d'accord, Henriette, bien sûr. Mais c'est pas que ça me plaise de trop, mais...
Je voudrais pas non plus que vous perdiez tout à cause de moi. Alors, qu'est-ce que je devrais faire exactement? Mais non seulement, hein, non seulement vous n'aurez rien à faire, mais vous n'aurez presque pas besoin de mentir. Bon, ben ça. Je vous raconterai comment vous avez découvert monsieur, et vous oublierez simplement qu'il y avait un revolver et un billet sur le bureau. Alors, pour le reste, je m'en charge. Madame Charest. Monsieur le commissaire. De quoi avez-vous peur? Peur? Mais j'ai pas peur. Bon, allons donc. Vous êtes là, tassé sur votre chaise. Vous avez l'air d'attendre que la maison vous tombe dessus. Hein? Que me cachez-vous? Oh, mais vous êtes drôle à la fin. Puisque je vous dis que j'ai rien vu, rien entendu, que je dormais. Je peux quand même pas inventer pour vous faire plaisir. À quelle heure vous êtes-vous couché hier soir? Vous l'avez déjà demandé. Vers 9h30, 10h, comme d'habitude. Et où était monsieur Voiron à ce moment-là? Est-ce que je sais? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est parti après le dîner. Avec sa voiture. Et vous ne l'avez pas entendu rentrer? Mais non. Par conséquent, s'il était revenu avec quelqu'un, vous ne l'auriez pas su? Non, forcément. Oui, forcément. Comment était-il ces derniers temps? Il ne vous a pas paru inquiet, préoccupé? Si, un peu. À cause de l'usine, ça marchait pas fort, vous devez bien le savoir. Oui, 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 mais je sais aussi que son prochain mariage devait lui faciliter les choses. Hein? Alors? Ben alors quoi? Ben, qu'est-ce qui pouvait bien l'inquiéter, selon vous? Ça? Peut-être bien ce mariage, justement. Ça peut paraître drôle, mais il avait pas l'air chaud, hein? Vous voulez dire qu'il se mariait pour des raisons financières et sans trop en avoir envie, c'est ça? Oui, oh, ça, c'est jamais qu'une impression, hein. Il me faisait pas ses confidences. On savait pas toujours à quoi s'en tenir avec lui. Oh, tout de même, quoi. Il y a combien de temps que vous étiez à son service? Ben, ça va faire 5 ans. Juste après la mort de sa femme. Ben, par conséquent, et même s'il ne vous faisait pas de confidences, vous le connaissiez bien? Non. Non? Mais comment non? J'avais beau vivre avec lui et tenir sa maison, j'ai jamais trop bien su ce que c'était cet homme-là. D'ailleurs, c'est bien simple, il y a des moments où il me faisait peur. La seule chose à quoi il avait l'air de tenir et qu'il faisait un peu parler, c'était son usine. Sorti de là... Oui. Qu'est-ce que c'est? Madame Hélène Marny vient d'arriver, monsieur le commissaire. Ah, bon. Dites-lui de ne pas s'éloigner, j'en reçois tout de suite. Bon. Oui. Où en êtes-vous? Les gars d'identité viennent de terminer dans le bureau, ils attaquent le jardin. Bon, restez avec eux et prévenez-moi s'il y a quelque chose. Entendu, commissaire. Bien. Je n'en ai pas terminé avec vous, mais je vous reverrai plus tard, hein? Alors d'ici là, tâchez de réfléchir et décidez-vous. Moi, je suis persuadé que vous me cachez quelque chose. Non, enfin, monsieur le commissaire, puisque... Mais plus tard. Réfléchissez. Et dites-vous bien que dans une affaire criminelle, les faux témoignages se paient. Oui, je... Merci, monsieur le commissaire. Ouais. Faites entrer madame Marvy en passant. Bien, monsieur le commissaire. Bonjour, madame. Bonjour, ma pauvre Henriette. Monsieur le commissaire vous attend, madame. Oui, merci. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, madame. Entrez, je vous prie. Je suis navré d'avoir à faire votre connaissance en de pareilles circonstances. Monsieur Voiron m'avait parlé de vous et je... Enfin, je vous prie d'accepter mes condoléances, madame. Merci, monsieur le commissaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Si. Merci. Je suppose qu'en dehors du fait brutal, vous ne savez rien encore. Rien que ce que vient de me dire madame Redier, non. Elle m'a parlé d'un crime crapuleux. C'est ce qui semble ressortir des premières constatations, en effet. Puis-je vous demander, madame, quand vous avez vu monsieur Voiron pour la dernière fois? Hier soir, monsieur le commissaire. Hier soir? Oui. Il est arrivé chez moi vers 9h, il a dû repartir vers 10h30, 11h. Ah. Était-ce une simple visite ou bien... avait-elle une raison précise? Non, rien de précis. Nous avons parlé de choses et d'autres. Par exemple? Eh bien, par exemple, nous avons parlé de notre prochaine installation et du départ de son beau-frère aussi. Ah bon? Oui.
Monsieur et Madame Rodier ne seraient pas restés après votre mariage ? Non, Monsieur Voiron trouvait avec juste raison. Je dois dire que cette maison n'est pas assez grande. Oui, oui, bien sûr. Vous connaissiez bien Monsieur et Madame Rodier ? Pas très bien, non. J'ai dû les rencontrer en tout 3 ou 4 fois. Qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Enfin, je veux dire, d'une façon générale. Ben mon Dieu, Monsieur le Commissaire, je n'en pense pas grand-chose. Françoise Rodier est une jeune femme charmante, un peu insignifiante, et quant à son mari... Oui, oui. À vrai dire, je ne sais pas. C'est un garçon qui se retrouve à 40 ans sans aucune situation. Mais je ne saurais vous dire si cela tient de la malchance ou de l'incompétence. Le croyez-vous capable de préméditer un assassinat ? Un assassinat ? Mais vous venez de me dire qu'il... Répondez à ma question, je vous prie. Mais je ne sais pas. Comment voulez-vous répondre à une question pareille ? On parle d'un crime de rôdeur et voilà tout à coup que c'est un assassinat. Je ne dis pas que c'est un assassinat, madame. Non. Vous pensez bien que si la police s'en tenait toujours aux premières constatations, les tribunaux ne seraient guère encombrés. Mais je ne dis pas que M. Rodier a tué son beau-frère. Je pense que ce n'est pas impossible. Voilà, c'est tout. Et à la lumière de ce que vous venez de me dire... Moi, je constate que cette disparition peut être avantageuse pour lui. Au fait, savez-vous si M. Voiron laisse un testament ? À ma connaissance, non. Donc sa sœur va hériter ? D'une affaire qui est au bord de la faillite et d'une maison qu'elle ne pourra sans doute pas garder, oui. Oui. Voilà qui nous ramène indirectement à votre mariage. Je crois savoir que M. Voiron comptait expressément sur votre fortune pour redresser la situation, non ? Expressément n'est pas très flatteur, monsieur le commissaire, mais il est exact que je comptais l'aider. Pourquoi ? Pardon ? Oui, je suis indiscret, je vous en demande pardon, mais j'aimerais savoir pourquoi vous épousiez Pierre Voiron ? Étiez-vous amoureuse de lui ? Oh, amoureuse, c'est peut-être beaucoup dire. Nous n'étions plus des enfants. Vous étiez sa maîtresse, alors ? Franchement, monsieur le commissaire, Non, je n'étais pas sa maîtresse, voilà. Ce serait donc plutôt lui qui était amoureux de vous, alors. Non, écoutez, monsieur le commissaire, je ne refuse pas de répondre à vos questions, mais je voudrais comprendre. En quoi ces détails vous intéressent-ils tellement ? Vous avez raison. Je vous demande pardon. Enfin, non, une question amène l'autre et on finit par se laisser entraîner. Mais je connaissais un peu monsieur Voiron, voyez-vous, et je vous avoue que l'annonce de son remariage m'avait quelque peu surpris. Moi, j'aurais juré, quant à moi, qu'il finirait ses jours en solitaire. Voilà. C'est longtemps que vous le connaissez. Depuis plusieurs années, oui. Il avait été en relation d'affaires avec mon mari. Lui connaissiez-vous des ennemis ? Non. Il était à moi à l'avoir, pourtant. Il était plutôt dur, disons. Mais c'est possible, mais il ne m'a jamais parlé de rien. Comment était-il hier soir ? Comme d'habitude, je n'ai rien remarqué de particulier. Et vous dites qu'il vous a quitté vers 11h ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Eh bien, mais je me suis couchée. Vous avez une bonne des domestiques. Mais, monsieur le commissaire, vous êtes en train de me demander si j'ai un alibi ? En quelque sorte, oui. Mais je vous affirme que ça ne correspond à aucun soupçon précis. Simple routine. Voilà qui ne me rassure qu'à demi. J'aimerais autant que vous retrouviez votre assassin. Car je me suis couché vers minuit et j'étais seule dans mon appartement, monsieur le commissaire. Ma bonne est en congé. Monsieur Rodier, cet inventaire ? Je sais pas, je vois rien. Enfin, sauf pour l'argent, j'ai jamais très bien su ce que contenait ce bureau, vous savez. Vous êtes sûr qu'il y avait de l'argent ? Ah, ça, certain. Mon beau-frère avait toujours au minimum quelques centaines de francs dans ce tiroir-là. Non, mais c'est tout ? Pas de documents ou d'objets précieux disparus ? Pour autant que je puisse en juger, non. Et son revolver, monsieur Rodier ? Un revolver ? Oui. Oui, son revolver, oui, je sais qu'il en avait un. C'est moi-même qui lui avais délivré un permis d'achat. Vous ne saviez pas ? Non. Un 7.65, précisément. Mais pourquoi précisément ? Parce que c'est avec une arme de ce calibre qu'il a été tué. Je viens d'en avoir la confirmation. Non, mais vous pensez tout de même pas qu'il ait pu être tué avec son propre revolver ? Bon, pourquoi pas ? Un rôdeur pénètre dans cette pièce. Oui. Par la porte-fenêtre, tenez. Oui. Force des tiroirs du bureau, découvre le revolver.
Oui. Pour un malfaiteur, c'est toujours bon à prendre. Il met l'arme dans sa poche, ou la pose simplement sur le bureau, et lorsque le propriétaire surgit, il tire. D'après l'endroit où se trouvait le corps de votre beau-frère, c'est parfaitement plausible. Oui, peut-être, après tout. À condition qu'il ait bien été tué là où nous l'avons trouvé. Évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Non. Bon, c'est encore qu'une impression, mais enfin. Moi, je commence à me demander si Pierre Voiron n'a pas été tué par quelqu'un qu'il connaissait bien. Et dont il ne se méfiait pas. Marc, tu vois, j'avais raison. C'était de la folie. Le commissaire nous soupçonne, j'en suis sûre. Mais non, non, calme-toi, je t'en prie. Et pour un policier, les soupçons ne sont jamais des hypothèses de travail. Mais d'ailleurs... D'ailleurs quoi ? Mais il ne soupçonne pas que nous, et cela m'inquiète bien davantage. Il m'a posé des tas de questions à propos du mariage de ton frère. Tu crois qu'il soupçonne Hélène ? Mais autant qu'elle qu'un autre, ça fait partie de son travail. Seulement, si par malheur il lui trouvait un mobile, ça pourrait être la catastrophe. Et pourquoi ? Mais comment pourquoi ? En mettant les choses au pire et supposant qu'il l'accuse. Nous serons bien obligés de dire la vérité. Et si nous la disions tout de suite, Marc ? Oh, tant pis pour l'héritage, tant pis pour cette maison, je... Oh non, j'ai trop peur, je t'assure. Non, mon chéri, écoute-moi bien. Sans cette histoire, je ne t'aurais peut-être jamais dit... Non, je suis fatigué. Et je me sens à bout. J'ai 40 ans, depuis plus de 20 ans, j'ai travaillé comme une brute. Et je me retrouve plus bas que zéro. Et si ce n'était pour toi, et parce que je t'aime tellement... Marc... Non, comprends-moi, je t'en prie. Quoi qu'il arrive, cette maison sera la tienne, tu y seras à l'abri. Je ne veux pas y renoncer à aucun prix. Mon pauvre chéri, comme si je ne le savais pas, que tu es fatigué, que tu n'as plus de courage. Oh. Oh, c'est trop injuste. Non, ne pleure pas, je t'en prie. Ne pleure pas. Et cesse d'avoir peur. Quoi qu'il arrive... Et même si nous devions être séparés pendant quelques temps, nous serons à nouveau heureux. Heureux, je te le jure. Mais pourquoi tu parles de séparation ? Mais qu'est-ce que tu me caches encore ? Mais rien, mon chéri, rien. Seulement... Seulement ? Je viens de te le dire, il faut quelquefois prévoir le pire. Si Hélène Marvy était accusée, il n'y a pas de question. Il faudrait dire la vérité. Mais s'il m'arrivait à moi d'être accusé, vois-tu... Je préférerais me taire. Te taire ? Tu ne parles pas de... Enfin, tu ne parles pas de te laisser accuser tout de même ? Si. Oh, ça, mais tu es devenu fou. Enfin, tu t'imagines Laisse-moi t'expliquer, Françoise, je t'en prie. Non, ça n'a rien à faire, je ne t'écoute pas. Si tu insistes, c'est bien simple. Moi, je vais trouver le commissaire et je lui raconte tout. Mais il ne te croira pas. Mais les preuves n'existent plus. Comment les preuves n'existent plus ? Mais le revolver est parti dans un égout et j'ai brûlé la lettre. Oh, Marc, c'est pas vrai, tu n'as pas fait ça. Si. Mais pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Mais pour ne pas être tenté de faire machine arrière, précisément. Mais c'est de la démence ! Enfin, comment as-tu pu ? Mais enfin, s'il t'accuse, et si nous ne pouvons plus prouver le suicide, tu seras condamné. Mais nous ne pourrons plus prouver le suicide. Et eux non plus ne pourront rien prouver. Bon, laisse, j'y vais. Allô ? Chloé ? Non, Henriette ? Mais où êtes-vous ? Que se passe-t-il ? Du commissariat ? Mais tout quoi ? Mais parlez, bon sang ! Ah. Oui. Oui, je comprends. Mais non, ne vous inquiétez pas, rentrez. Oui, dites au commissaire qu'il ne se dérange pas, voulez-vous ? Oui, je préfère aller le voir. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, tu as compris, je suppose. Elle a parlé.
Et le commissaire lui a dit qu'on allait m'arrêter pour assassinat. Elle l'a cru. Elle s'est affolée. Elle s'est empressée de m'innocenter. Ainsi donc, monsieur Rodier, votre beau-frère se serait suicidé, mais, afin de toucher quand même l'assurance, vous auriez camouflé ce suicide en crime. C'est bien ça? Si vous voulez, oui. Bien. Et la facilité avec laquelle vous avez réussi à tromper la police ne vous a pas surpris? Non. Non. Vous ne lisez donc jamais de romans policiers? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Rodier, une balle tirée à bout touchant laisse des traces très caractéristiques. Si votre beau-frère s'était réellement suicidé, ça ne m'aurait pas échappé. À moins qu'il n'ait choisi de se tuer en tenant son arme à bout de bras. Évidemment. Je comprends pas. Ça m'étonnerait beaucoup, ça. Si la balle qui a tué Pierre Voiron n'avait pas été tirée d'une certaine distance, votre petite mise en scène n'aurait pas tenu 5 minutes. Et vous le saviez fort bien. Et vous concluez? Votre beau-frère ayant bel et bien été assassiné, vous n'aviez qu'à attendre que la police en fasse la preuve et l'assurance payait. Si donc vous avez détruit les prétendues preuves de ce prétendu suicide, ce ne pouvait être que pour sauver l'assassin. Pour sauver l'assassin? Oui, eh oui, oui. Et je trouve que c'est pousser la charité un peu loin. Je sais bien que vous n'aimez guère votre beau-frère, mais tout de même... Je ne comprends rien à ce que vous dites. Non, non. Ne vous fatiguez plus, c'est parfaitement inutile. Hélène Marvy a été arrêtée cet après-midi. Qu'est-ce que vous dites? Elle sera inculpée dès demain d'assassinat avec préméditation. Mais je ne vous crois pas, c'est impossible. On n'arrête pas les gens sans preuve. Ah, bah tenez. Voici le mandat qui m'a été rendu après exécution. Il est signé par le procureur, hein, en personne. Quant aux preuves, nous en aurons bientôt d'irréfutables, rassurez-vous. Hein. Pour être inculpé d'assassinat avec préméditation. J'ignore comment vous allez arriver là, monsieur le commissaire, mais cela fait 2 erreurs. D'abord, il s'agit d'un meurtre. Il n'y a pas eu préméditation. Et ensuite... Oui? Et ensuite, ce n'est pas Hélène Marvy qui l'a commis. C'est moi. Ben... Vous y aurez mis le temps, hein? Quoique... Non. Ne croyez pas que je vous ai menti, non, non. Non seulement Hélène Marvy a bien été arrêtée, mais c'était effectivement pour assassinat. Bon, j'ai simplement envie de vous dire que c'était pour avoir empoisonné son mari il y a 2 ans. Pour avoir empoisonné son mari? Oui. Votre beau-frère le savait, il en a profité. C'est uniquement sous la menace qu'elle avait accepté de l'épouser. Mais comment savez-vous tout cela? Aucune importance. Dites-moi plutôt la raison de ces incroyables mises en scène et comment vous avez pu entraîner 2 femmes à devenir vos complices. Mais ma femme et Henriette ne sont pas mes complices, elles ignorent tout. Pardon. Elles ignorent peut-être que vous avez tué, mais elles vous ont aidé à camoufler ce qu'elles prenaient pour un suicide. Elles m'ont pas aidé, elles m'ont simplement laissé faire. Et encore, parce que j'ai profité de leur affolement pour les y forcer. Ben oui, ben bien sûr, ben alors. Et vous allez sans doute me dire que c'est également dans un moment d'affolement que vous avez tué. Non, monsieur le commissaire, non. Je crois bien que je n'avais jamais été aussi calme qu'à ce moment-là. Bon, ben, un instant. Hein. Je vais noter votre déposition, nous y gagnons du temps. Mon frère. Oui, commissaire. Bon, ben, prenez votre bloc, venez. Quant à vous, Rodier, tâchez de ne pas embrouiller encore la vérité. Elle est déjà suffisamment compliquée. Bon, asseyez-vous là, mon frère, installez-vous et prenez tout. Et bien. Intégralement, hein. Bien, commissaire, bien. Ouais. Allez, je vous écoute, monsieur Rodier. Dites-moi, comment et pourquoi vous avez tué votre beau-frère? Pourquoi, c'est difficile à dire. Parce que c'était un être ignoble, probablement. Non, alors, laissez tomber, mon frère, n'écrivez pas. Monsieur Rodier, la déposition que vous allez faire sera bientôt entre les mains du juge d'instruction.
Insulter votre victime ne le prédisposera pas en votre faveur, je vous en préviens. Non, ça m'est égal, vous pouvez noter. Non, je ne dis pas cela pour minimiser mon acte, mais... Varon était un être ignoble. Ah, vous y tenez? Il n'y a pas d'autre mot. Il aimait voir les gens se débattre et les tenir à sa merci. Il faisait mine de vous aider, mais c'était finalement pour vous enfoncer un peu plus. Allez, allez, continuez. En prenant son mariage pour prétexte, il m'avait donné 3 mois pour trouver du travail et un logement. Alors déjà, pour moi, c'était pas facile et il le savait, mais cela ne lui a pas suffi. Il a fallu qu'il trouve encore mieux. Alors, le soir du drame, lorsqu'il est rentré, j'étais en train de lire. Et Henriette et ma femme étaient déjà couchées. Alors, il m'a dit qu'il avait à me parler. Alors, nous sommes allés dans son bureau. Et à partir de là, tout s'est passé très vite. En quelques minutes, je crois bien. Alors, il a commencé par me dire que j'étais un raté, que ma femme était bien à plaindre. Et puis il m'a fait part de sa dernière trouvaille. Continuer d'héberger ma femme pendant que j'irai chercher fortune ailleurs. L'idée de nous séparer paraissait l'amuser beaucoup. Il m'a donné 48 heures pour faire mes valises. Alors ça m'a rendu fou de rage. Alors j'ai menacé de le tuer. Alors il a éclaté de rire, il a sorti son revolver et il l'a posé devant moi. En disant que ce serait une excellente solution, mais que j'étais bien trop lâche. Il était tellement sûr de lui, j'ai saisi l'arme et j'ai tiré. Voilà. Voilà. Oui. Oui, voilà le meurtre. Mais c'est malheureusement pas tout. Pour un peu même, je dirais presque que ce n'est pas le plus grave. Après avoir tiré, je suis demeuré stupide, debout, devant le bureau. M'attendant vaguement à voir arriver ma femme ou Henriette, ou les deux. Et puis non, rien ne s'est passé. Le coup de feu ne les avait pas réveillés. Alors je me suis repris un peu et... Et vous avez décidé de déguiser votre crime en suicide. C'était insensé. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard, mais ce n'était pas le pire. Au petit matin, alors qu'Henriette était déjà levée et qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit, j'ai tout à coup pensé à l'assurance. Tout à coup? Ouais. Et l'idée ne vous est pas venue, tant qu'à faire, de vous constituer prisonnier? Ah si, bien sûr. Si. Moi, il y avait ma femme. Pour ne pas la laisser, j'aurais fait n'importe quoi. Oh, c'est pas la peine d'employer le conditionnel, vous avez vraiment fait n'importe quoi. Mais quand on n'a plus rien à perdre, on peut bien tenter l'impossible. Plus rien à perdre, plus rien à perdre, c'est vite dit. Votre beau-frère vous avait provoqué, il vous a fourni l'arme qui a servi à le tuer. En vous constituant prisonnier, vous pouviez compter sur des circonstances atténuantes. Eh oui, vous avez raison, j'ai fait un beau gâchis. Mais non content d'avoir tout raté, je trouve encore le moyen d'envoyer une femme en prison. Si je ne vous avais obligé à pousser votre enquête, vous n'auriez pas découvert le crime d'Hélène Marvy. Bah, n'allez pas la plaindre, quand même. Oh, la plaindre, non. Enfin, je sais pas. Mais je n'aurais pas été non plus jusqu'à la dénoncer. Si ce n'est que ça, je peux vous rassurer, vous n'êtes pour rien dans son arrestation. Votre beau-frère avait déposé une dénonciation chez son avocat le jour même de sa mort. Aurait-elle été accidentelle, Hélène Marvy était perdue. Ah, j'aurais dû m'en douter, ça lui ressemble bien. Il aura décidément trouvé le moyen d'être ignoble jusqu'au bout. À votre place, je ne m'en plaindrai pas trop. Non. Cette dernière ignominie aura perdu Hélène Marvy, certes, mais elle va rendre un fameux service à votre avocat. Croyez-moi.